des fleurs à en faire déborder le jardin pour la paix. La 16e édition de la fête des bulbes a rassemblé plus de 18 exposants venus des quatre coins du pays de Beach. Horticulteurs, décorateurs, artisans ou encore producteurs se sont posés au pied de la citadelle. Mais un de ces stands est presque aussi âgé que l'événement. C'est celui de Marlène et Gérard Hull, venus spécialement de Souffelweersheim, en Alsace. Si le stand des jardiniers de la ville compte plus de 56 variétés de bulbes, celui de Gérard est spécial. C'est ma mère qui était folle de la plante, de la fleur. Elle m'a offert 2 ou 3 bulbes. Et avec ça, j'ai réussi à faire des centaines et des centaines de bulbes. Et la voici, la fritillaire impériale. Depuis 15 ans, cette fleur accompagne Marlène et Gérard à la fête des bulbes. Depuis qu'ils ont été contactés, ils sont restés fidèles au rendez-vous et ont décidé de partager cette plante et d'autres bulbes de leur jardin à tout le monde. On en donnait un peu à tout le monde, hein, aux amis, aux voisins. Oui, d'accord, ça c'était... On distribuait jusqu'à un moment donné où effectivement nous nous sommes dit pourquoi pas essayer de les vendre. Ces deux passionnés de jardinage ne comptent pas s'arrêter là. Tant qu'ils le pourront, ils seront présents et donneront leurs précieux conseils. Il y a des moments où on perd un peu la mémoire, mais ça c'est pas grave. Ça n'empêche pas de mettre les bulbes dans la terre, de surveiller et d'être présent ici. Face à eux, les nouveaux venus de la cristallerie Saint-Louis, ils ont proposé au public leur propre vision de la fleur.